À 22 km de Kankan, nous voici sur la colline de Kabalaba, un site islamique plein de légendes. Ici, les efforts du gouvernement sont perceptibles à tous les endroits, à l'image de ces hangars et cette maison d'accueil réalisée à l'occasion du 57e anniversaire de l'indépendance du pays dans la région. Je remercie le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui a financé ces hangars, qui a financé la maison d'accueil. Donc il faut bien connaître son histoire et savoir que les Guinéens sont frères et sœurs et que nous ne devons pas diviser et que nous devons nous donner la main parce que nous sommes tous de la même famille. Ça c'est très important. Donc Kabalaba, c'est avant tout un message de paix mais aussi un message d'amour et de fraternité vis-à-vis de tous les Guinéens, vis-à-vis de tous les Africains et surtout vis-à-vis de tous les musulmans parce que nous partageons la même foi en Dieu. Et c'est un symbole de reconnaissance, c'est un symbole d'amitié, c'est un symbole de fraternité entre les fils de Kankan, entre les fils de la Haute-Guinée, entre les fils de la Guinée. Donc moi je remercie les organisateurs, je remercie Monsieur le Président de la République qui a facilité et tout ce pèlerinage. Pourquoi ? C'est pour permettre à la population de venir franchement se recueillir sur les tombes, demander pardon à Dieu. Et faire des prières pour ce pays. Kabalaba, c'est aussi ces curieux musées à ciel ouvert. Dans une muséographie immersive, on découvre également une ancienne mosquée construite vers 1671. Chaque année, une visite guidée de recueillement devant les tombes des ancêtres sont organisées pour entretenir la mémoire des différents fondateurs de Baté et leurs familles. Quand on rentre ici, on commence par Fode Moukaba. Ça, on appelle ça en arabe Ziyara. On vient, on fait ziyara, on salue, il y a salutation, ça c'est écrit en arabe. Assalamu alaikum daragam omin. Quand on fait ça après, il y a quelqu'un qui est là, lui s'appelle Mamadi Kaba, et va lire l'invocation pour tous les musulmans. Pourquoi on va aller à Mecque? C'est pour cesser la bénédiction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça on appelle ça l'ihorma, hurma. Mais on est venu ici parce que celui qui est reposé ici là, il a dit ce que Dieu a recommandé. Et tout ce que Dieu a dit de laisser, il a laissé tout ça là. Et ce qui n'est pas obligatoire encore, il a fait ça encore. C'est pour ça qu'on a appelé le saint. C'est la joie, c'est un rappel. Parce que quand je suis à Kabalaba, c'est comme si je retrouve mes ancêtres. Parce que je me recueille, je fais des prières pour eux, je pense à eux. Alors ça me réconforte moralement. Hein? C'est des grands-parents que je n'ai pas vus. Donc, mais quand je suis là, c'est comme si je vis avec eux. Cette initiative fédératrice a réuni les imams de Baté autour du Saint-Coran. Le pardon divin est imploré pour le bonheur de la Guinée et ses fils. Pour cette 6e édition, plusieurs projets du développement communautaire sont planifiés. La construction d'une salle de lecture du Saint-Coran, le reboisement de Kabalaba long de 2 km et les berges du fleuve Milo.